Bemao Mimas, c'est de ça nous parlons aujourd'hui, parce que nous allons au village et nous sommes responsables qui peut expliquer nous en gros qu'est-ce qu'a fait côté site. Eh bien, bonjour, Marie-France Gouram, vice-présidente du comité carnaval de Bemao. Bemao Mimas, donc aujourd'hui là, nous sommes dans Village Santé, première édition, et c'est pour la prévention, la sensibilisation autour des maladies chroniques telles que le diabète, le sida et plein d'autres, la tension, et aussi parler du don du sang, parce qu'à la période de carnaval, nous sommes en l'eau, plus malade, plus accident, et nous avons besoin de sang en Guadeloupe. Tout à fait. Alors, c'est la première année à Zot, nous pensons que ça continue. Eh bien, nous pensons que ça continue, nous faisons en sorte que ça continue. Quand on dit ça en première édition, on ne bon, pas ni tout plein exposant, mais vaut mieux commencer petit pour finir grand. Est-ce que la voix baille? La voix baille, mais nous ni pisez et là, on y a si en temps de parole, ou pas ni tant dit tout bitain, mais la voix baille. Mais quand on met en avant? Quand nous mettons en avant, notamment la sensibilisation autour des maladies transmissibles, sexuelles transmissibles. Mmh, d'accord, ok. Et là, vous voulez faire un message à traverser, juste ça toute l'année là ou bien... Non, à part uniquement pour Massa, ça c'est toute l'année là, toute l'année là. Et puis aussi, qui gens pour nous manger, pour comment madame la sortie dit là, c'est à travers la nourriture que nous gagnons en bonne santé. Parce que le diabète, c'est l'âge arrivant, l'âge a fait des gars, par exemple, qu'il a trouvé qu'il y en l'air, mais j'ai fait des gars. Alors, qui gens pour nous manger? Ben, faut nous en avoir assez, qu'il y ait 50-50, 50 et 75-25 du moins. Faut nous en plus légumes. Et moins de féculents, parce que les féculents, c'est des sucres lents. Et moi, je ne suis pas spécialiste à ça, hein, quand même. Hein. Mais en mode de nourriture, en moins, et puis manger à des heures régulières. Ça, c'est faut nous réussir à faire ça, manger à heures régulières. Ne pas obligé de grignoter à 9h, prendre un casse-croûte, à 3h, pour goûter. Non. Manger à 8h, ou à, entre 6h et 8h, et bien, on peut manger entre midi et 2h. Pour réguler quoi. Et avant, on va dormir aussi, il ne faut pas manger tard. On mange tard, manger là. Ou quand la sauce, eh bien, les gens travaillent aujourd'hui là, hélas, donc ils ont dormi. Donc, quand d'autres chimiques apprennent, ils ont regardé ça qu'a formé. Là, on mange, c'est à coucher tout de suite. Oui, c'est ça. Eh bien, il ne faut pas manger trop tard non plus. Si on mange à 18h, 19h, manger là quand il est temps de digérer. Et tout le système là, puis qu'il est endormi, donc il fait travailler. Mais si j'ai endormi, puis fait travailler. L'autre système là qui n'est pas dormi là, c'est qu'il faut porter mon œuf. Et porter mon œuf là, il est tourné en graisse, il est tourné en d'autres bitins qui n'est pas bon pour quoi nous. Mettre ça en place, ça a coûté quand même. Mettre ça en place, ça a un petit coup, mais ça a un petit patience aussi. Ça a un petit patience surtout. Le coup de la patience. Ouais. Voilà. Mais si vous voulez parler. C'est Bemao qui est engagé ou... Alors, le comité là, et comme nous en partenariat avec Ville Bemao, puisque bien sûr, il faut une logistique pour nous payer, fonctionner. Donc, le comité là engagé, mais la ville de Bemao à côté en nous et fermement avec nous. D'accord. Longue vie pour vous. Longue vie pour nous et souhaitons que, aujourd'hui là, c'est 26e édition, souhaitons que nous ayons la 27e édition Bemao Mimas et en commandant tout le monde, venez à Bemao, parce que c'est l'habitant là-bas aujourd'hui là, avec les groupes qu'on contacte, Double Face, Reality Bimas, Pikenga, Pirouli, et Racine, et puis tout en panoplie de groupes qui viennent ici dans Bemao. Tout à fait, ils sont partis pour gagner. Mais nous pas en concours, puisque nous sommes en comité organisateur. Ouais. C'est le groupe-là qui est en concours, que le meilleur gagne et que le jury fasse son travail, et à savoir que le jury est souverain. Donc nous, on n'a rien, le comité, nous pas ni droit de regard sur le jury. Nous avons composé un jury, mais nous pas ni droit de regard à cette décision. Merci un peu, mon gourame.